كنساو ما كوجبتوني وكلت عليهم الله اللي كتنوض عرة الناس فاشلين ما كيعرفوا حتى شنو واقع و تيكذبوا على المغرب وعلى ملك المغرب الله ينعل اللي ما يحشم دابا غير على من تتكذبوا واش على الجزائريين ولا على المغاربة والله يلقيها ليكم Pourquoi les dirigeants de l'Algérie ne peuvent pas oublier le Maroc? Pourquoi ces gens mentent-ils d'abord sur les Algériens libres sur le Maroc, avant de mentir sur le second? Pourquoi les dirigeants algériens ont-ils un complexe psychologique chaque fois que le nom du Maroc est mentionné? Pourquoi toute cette rancune, cette haine et cette envie? Je ne veux pas leur rappeler tout ce que le Maroc a fait envers l'Algérie lors de sa colonisation, et je ne veux pas leur rappeler ce 1,5 million, dont un tiers ou un quart sont des Marocains et des Tunisiens. Fermez vos trous, levez vos plumes et votre haine du Maroc, vous ne profiterez de rien et vous n'atteindrez pas votre rêve et votre rêve de cette manière ignoble. Vos journaux accusent encore, et des accusations sont portées contre le Maroc. Veut-on que tu danses comme une poule sans tête, tes hérésies? Tu as prétendu que notre roi s'était enfui en France, cela affirme que tu n'étais que des bâtards et des fils de fornication. Bien sûr, sauf pour les des Algériens qui nous respectent et nous les respectons. Du tout mes propos s'adressent aux gangs.